Te rendons la gloire et nous voulons te bénir. Merci pour cette rencontre, Adonai, Dieu des Hébreux, Dieu en qui nous avons cru, conduit cette rencontre. Bénis chacun d'entre nous. Merci de nous assister. Merci de ta protection. Je te bénis ce culte. C'est dans le nom de Jésus que je prie. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Jésus par la présence, par la
saisis le diamant de Jésus. Mon cœur est plein de joie. Amen. Vers 5 heures du matin, je me mets dans le village et je dis, Mabéoua!
Effectivement, on voit Dieu en train de décanter les situations dans les mains. On voit Dieu en train d'agir d'une manière forte et puissante. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut l'acclamer plus fort? Jésus. Côte d'Ivoire,
croisade d'évangélisation. Et dans ce village, on appelle ça Ibounou, Ibounou dans la région de Grand Laou, pour ceux qui savent très bien les Abikas. On m'invite dans ce village parce que dans le village de Ibounou, et tout le monde connaît l'histoire, l'État ivoirien découvre un grand gisement de pétrole, le pétrole bleu, c'est-à-dire le pétrole qui va nourrir, qui va aider la Côte d'Ivoire. Et il y a un monsieur, lui en sorcellerie, qui prend le pétrole, il met dans son ventre. Il est le chef du village. Et c'est ça, c'est un peu notre combat que nous menons. Pour nous, la sorcellerie met frein au développement. Les gens, les Arabes, ils gagnent leur pétrole, ils sont puissants. Pour nous, on prend, on met dans un petit vatsa. Donc on dit, le prophète va venir. On organise une rencontre des quatre de la région au plateau. Vous connaissez bien le plateau, je connais Abidjan. Et on m'invite à cette rencontre. Je rentre, on me dit, où il est? Ça dit, on me cherche. Et on dit, c'est lui. Avant, il n'y a pas les réseaux sociaux de 2009. Hein. C'est ça, non? Tu n'avais pas, hein? Tu n'avais pas. Hein. Et donc? Oh non, nous, on n'avait pas en 2009, non. Et du coup, on me regarde. Je vois d'autres même qui disent, mais t'as vu finir la réunion, on partit. Et puis on en clash, on la clash la sorcellerie. Et on dit, c'est quoi aller prier pour Ibounou. Et on m'explique ce qui se passe. On me dit, il y a un monsieur, mais il est mort. Hein. Voilà, parce qu'il y a une fille en toute chose. Voilà. Vous savez, j'ai vu tellement la puissance de Dieu, je ne sais pas ce qui peut les frayer. Amen. J'ai tellement vu Dieu à l'œuvre, je ne sais pas qui peut les frayer. Amen. Je ne sais même pas qui. Parce que je crois à la puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Donc, on me fait la réunion. Le monsieur dont on parle, il s'agit d'un pétrole qui a disparu. Et l'État est en prospection, c'est-à-dire que l'État vient de couper le pétrole deux ou trois fois. Et puis on décide d'annuler le village, de reconstruire, pour faire un don au village. Et l'État revient encore pour enclencher le développement, le projet, et on ne voit plus le pétrole. Les gens sont paniqués. On met la sorcellerie faire. La sorcellerie, c'est parce que les gens jouent avec. Tu peux ne pas aimer le prophète Grasso, ça c'est vrai. Mais la sorcellerie, c'est ce que l'Occident a combattu ici. Quand on parle de la chasse aux sorciers, et quand on prenait les sorciers, on les brûlait au bûcher, ils avaient peut-être raison, mais comme détruit la vie humaine, nous chassons l'esprit de la sorcellerie, mais ils ont brûlé. Et c'est ce qui a fait l'avancée de l'Occident. Pendant moins 3 à 4 siècles, ils ont détruit les sorciers. Ah, le monsieur se lève un matin, il tape sa poitrine, il traverse le village et puis il nargue les gens, il les insulte, il dit, c'est moi Daniel qui pour la vie. Moi, il est dans le village ici, et vous allez, ils vont prendre, ils vont vous construire un autre village. Vous êtes malade. Le pétrole là, ça est dans mon ventre. Vous voyez comme c'est sauvage. Est-ce que vous m'avez saisi? Amen. On dit, ils vont enlever vos cases bizarres. Dans le village. Et puis on fait une maison, et puis ça sera bien. Et toi tu dis non, il faut qu'on demeure dans les taudis, dans les cases bizarres. Et traverse le village, personne ne peut parler. Parce qu'il faut dire, ah, il va te sortir de nous, il va te manger. Donc tu es là, tu fais tchou. Et puis il passe, il tourne dans tout le village, et puis il va s'asseoir. Et les gens me comptent l'histoire de voici un monsieur comme ça. Et quand on veut jouer le football dans le village, où les cantons se réunissent, les avocats, ce monsieur, tant qu'on ne lui dit pas, pardon, papa, tiens ça me dit, on va jouer. S'il dit, je suis d'accord, vous jouez. S'il n'est pas d'accord, vous allez vous casser les pieds. Ce qu'il dit, ce n'est pas une histoire inventée, ça. C'est à Ibounou. Et le monsieur s'appelle Daniel Kupami. Bon, je peux dire paix à son âme. Vous m'avez dit paix à son âme. Donc lui casse qui déjà. Et puis on dit bon, ça ne s'est pas arrêté là. Hein. Ils ont envoyé un prêtre dans le village. Le prêtre, c'était sa première messe. Le prêtre vient dans l'église, lui on n'invite pas. Parce que lui, il est protestant. Malheureusement, il était prédicateur. Plein droit dans une église protestante à côté. Malheureusement.
Donc lui, on l'a pas invité. Parce que si on l'invite, il fait des dégâts. Lui, quand il ne l'aimait pas, où est la sorcellerie, c'est bête. Donc, c'est quelque part, ça fait des dégâts. Il reste chez lui à la maison. Donc lui, va suivre la messe dans sa petite caméra. Je faisais le culte les gens, avec les gens de Digo aujourd'hui. J'ai dit, ouais, comme c'est intéressant, je suis à Paris, je fais culte avec vous. Vous avez les canaris sales. Tous vos problèmes, c'est de voir Mathieu à la rue de Paris pour le manger. C'est tous vos problèmes. Et moi, je suis à Paris, je parle avec vous. Oh, le monsieur, il est là, il dit rien. Mais le prêtre est là, il fait le culte. C'est sa première messe, le premier prêtre là. Seigneur, bénissons le Seigneur, notre Dieu. Monsieur, qu'on fait catholique. M'excusez, hein, je ne suis pas. Je suis en train de continuer l'histoire. Bénissons le Seigneur, notre Dieu. On dit Amen. Tu vas là? Amen. Tu vas là, on dit Amen. Amen. Donc, bénissons le Seigneur, notre Dieu. Le Père fut. Amen, mais il ne dit pas. Vous savez comment c'est passé? C'est comme ça, effectivement. Vous êtes tous là, non? Et le prêtre lui est devant. Hein? Donc, il dit, bénissons le Seigneur, notre Dieu. Il court. Il commence à courir. Et il amène la prêtre. Parce que quand il dit bénissons le Seigneur, notre Dieu, amen à faire. Mais pourquoi tu ne dis pas amen? Et puis tu fuis. Dans un temps normal, les gens commencent à avoir peur. Donc on suit le prêtre, on dit amen à lui d'ailleurs. Donc on le poursuit. Donc c'est le prêtre maintenant à la porte, il dit non, retourne, non, notre amen, on va faire ça ensemble. Parce qu'on a commencé bénissons le Seigneur, notre Dieu, amen là, on fait ça ensemble. Or le prêtre avait le temps dans les problèmes. On le poursuit, prêtre, viens, amen, là, c'est où? Viens, prêtre, père, viens. Le père fait diarrhée. Excusez-moi. Il dit, mais ça pour le sang, je vous ai dit, j'étais parti. J'étais trop chaud sur moi. Donc, vous voyez, ça a pris, on m'excuse pour cette histoire, mais une histoire très vraie. Excusez-moi. Vous voyez, comment la sorcellerie est belle. Et tout le monde, il s'est le soir, plus d'une heure, vers 17h. Il met son gros père. Pinard encore les gens. Vous ne m'avez pas invité. Est-ce que vous allez faire vos cérémonies? On le regarde. Tu es fâché, mais tu as dit quoi? Il faut parler sauce à la chine. Cette fois-ci, elle m'a gagné. Donc tu es là, tu es fâché. Puis tu ne le réveilles pas. Il t'est dit celui qui a fait. Du coup, le prêtre a été arrêté. Donc, amen, tout ça n'a pas donné. Il est parti, il a problème. Et donc, il dit, mais c'est là, l'histoire qui m'a plus choqué ça. Souvent, tout ce qu'on disait, Pétrole, c'est vrai, ça c'est Pétrole, c'est bon Pétrole. Mais comment toi tu peux venir marier l'homme de Dieu? C'est-à-dire, et puis toi tu es content parce que tu es lié et dans l'assemblée, et tu es content. Ça m'a irrité, on dit, il ne s'arrête pas seulement à faire des gens, hein, mais il fait ta église. On dit, mais on me demande mon âge, je dis, mais qu'est-ce que ça a à voir? À lui là, on ne peut rien contre lui. Je dis, si vous savez, vous connaissez la Bible, c'est un petit David qui a détruit Goliath. Vous savez ça? J'ai une foi en Dieu. Je n'ai pas de pouvoir. Mais ma foi en Dieu dit qu'aucun démon, aucun esprit méchant ne peut devant la puissance de Jésus. Il n'y a rien devant la puissance de Dieu. Et puis d'ailleurs, Dieu aime confondre les gens. C'est-à-dire ceux à qui on ne s'entend pas. C'est eux Dieu utilise pour lui. David n'avait rien à voir avec le combat contre Goliath. Mais comme le salaud, excusez-moi, Goliath est en train de menacer l'armée de Dieu. Il s'est mis dans la bataille, Dieu l'a confondu. Ok. Ça va. Bon, toi tu vas vendredi, j'avoue jeudi. Parce que de tous les cas devaient venir. Tu vas jeudi. Et puis on vient samedi. Alors, donc, j'ai fait l'annonce. J'ai dit, dites au village, annoncez, j'arrive au village à partir de 15h. J'ai pris la poussière, tout. Je suis arrivé, ceux qui connaissent peut-être le bout, nous avons regardé cette vidéo, ça très bien que celui-là est vrai. Mais je ne dis pas le contraire, parce que c'était dans les journaux ivoiriens. Voilà. C'était dans les journaux ivoiriens ont rapporté ça. Aujourd'hui, ça l'a eu, les grands journaux en Côte d'Ivoire. Donc, je rentre dans le village et je descends de ma voiture. Et sur la côte, j'ai commencé à crier. Et ils ne connaissaient pas ça. Et puis, j'ai commencé à chanter mon lavoisie. Je suis descendu dans le village. On dit, mais c'est qui? On dit, mais celui-là. On dit, mais il est petit. Hein? J'ai fait le tour du village. Je suis venu demander, on m'a demandé une nouvelle. Tout le monde, on me regarde. Ceux qui m'ont jamais vu, ils ont peur. C'est lui-là. Un peu de sorcellerie.
On a commencé, je commençais à leur prêcher l'évangile. Je commençais à leur prêcher l'évangile pour vous dire, si vous avez, vous voyez que le diable a une emprise sur vous, vous n'avez pas dit. On dit, là, ce sont les chrétiens, la plupart des Guinéens en Côte d'Ivoire sont des religieux. Donc, eux tous, ils sont aristes. Hein? Ils sont peut-être, ils sont aristes, méthodistes, quelle église encore, catholiques, ils ont des grands temples. Je dis, ce n'est pas les temples que je suis en train de voir. Non, je vous parle de la chrétienté vraie. Quand on a la puissance de Dieu en nous, aucun pouvoir des ténèbres ne peut nous réduire. C'est ça que je suis venu vous prêcher. Je ne suis pas venu vous prêcher les temples. Je ne suis pas venu vous prêcher nos religions. Je vous parle de la puissance de Jésus. Quand vous prêchez Jésus dans vos temples, vous ne prêchez pas Jésus qui est vivant. Vous prêchez Jésus, il est l'être, c'est tout. Vous ne prêchez pas Christ qui est vivant. Si vous avez Christ, la Bible dit, ce qui est en nous est plus fort que ce qui est dans le monde. Amen. Il est qui? Le diable est qui? Le diable est qui? Je vous donne 48 heures. Dans 48 heures, vous allez voir ce que Jésus va faire dans ce village. On n'a jamais vu quelqu'un prêcher comme ça. Il dit oui. C'est ce qu'ils ont dit à Jésus. Je ne suis pas venu prêcher l'évangile que vous avez l'habitude d'entendre dans ce village. Je suis venu vous prêcher un évangile vivant et vrai. La Bible déclare en Luc 10, verset 19. Il dit, je vous donne le pouvoir à mon nom de marcher sur les scorpions et sur toute la puissance de Satan. Et rien ne pourra vous. Rien. Rien ne pourra vous. Rien ne pourra vous. Rien. C'est de cette puissance que je vous parle. Je ne suis pas venu vous parler de l'histoire. Je vous parle de Jésus qui est encore d'actualité. Il est le même hier. Il est encore le même aujourd'hui. Je vous donne 48 heures. J'ai dit 48 heures sorciers. Si vous ne venez pas, vous venez faire les aveux. Vous allez voir ce que je vais faire. Amen. Ouh, il dit, je suis de la brigade à puissance. Il n'a pas sorcellerie, lui. Parce que nos problèmes de sorcellerie. Bon problème ici, la sorcellerie. Dieu ne résout que le problème qu'on lui met en face. Je ne suis pas venu vous prêcher des baptêmes avant de se baptiser. Non. Je suis venu vous parler de votre problème. Vous savez, vous êtes convaincu que le problème que vous vivez, c'est la sorcellerie. Personne n'a, tout le monde a peur. Et la solution est là. Et vous parlez d'autre chose. Ok. Le soir. Je vois les petits, petits. Je leur ai dit, je suis le médecin. J'enlève ça. Ah, il enlève. Oui. Ils sont venus. Chacun vient pour dire, ah, voici mon couteau, je faisais en volant. L'autre lui a un marmite. Venez, tout le monde vient. Il y a une qui vient me voir. Elle dit, il faut enlever un peu. Elle dit, enlève un peu. Il dit, mais pourquoi un peu? Elle dit, non, elle veut qu'elle va partir là-bas pour s'asseoir, pour assister. Il dit, mamie, quand tu vas regarder, viens au pont au four, tu vas manger. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui va dans un festin, à moins que tu aies gel sec. Même si tu as gel sec, tu vas manger quand même. Comment tu veux qu'on enlève un peu? Il dit, mais mamie, ça là, on enlève. Elle dit, non, elle veut voir. Vous, comment elle mange? Elle dit, mais est-ce que c'est bon? Elle dit, non. J'ai dit, mais on enlève tout. Bon, enlève. Je les ai tous mis là. Le lendemain, il dit, avant d'annuler, vous allez dire au village ce que vous avez fait. Les gens disent, ah, ça arrivait là-bas. C'est quel pasteur, au lieu de parler, on confesse. Il dit, moi, ma confession, c'est pas à moi que vous avez fait, c'est au village. On dit, ah, c'est sérieux. Le monsieur en question, il allait dire au chef du village. Il dit, le monsieur que tu as envoyé dans le village, je te mets en garde parce qu'il sait que d'ici trois, je vais le tuer. Mais toi-même, chef, je te tue. Je tue tout un notable. J'étais en train de dormir. Le chef, tout le monde est là. Ils sont venus s'asseoir là. Je me réveille, tout ça, je prends ma douche, je me pars. On dit voici le chef et tous les notables sont là. Et le chef dit avec la sérieuse qu'il y a un monsieur qui dit ne met pas les. Il dit, mais je ne mets pas les bouches chez lui. Moi je prêche l'évangile. Il dit non seulement il va te tuer. Il dit, mais c'est intéressant. J'aime bien les gens qui m'aiment dans cette vie. Il dit, ah, il dit oui. Quand il dit son genre, les gens meurent. Il dit, moi, pour moi, ça va arriver. Amen. Pour toi, tu arriveras à partir. Amen. Chaque menace des gens de mort, chaque menace des gens de la maladie, pour toi, n'arrivera
ailleurs. Mais toi, ils vont échouer. Amen. Marie a dit, mais c'est foi, foi, foi. Vous savez qu'il y a peur, et puis Dieu le rassurer, les cas c'est la vie. Il y avait un gros vent de monsieur, vous savez, les Américains, ils nous pilotent, pas. Donc il a assis, je ne sais plus comment on va partir. J'ai dit, ça n'arrivera pas. T'as eu, il réfléchit. Je lui vois comment le cavalier le déplacer, le mettre dans ma mine. Le moyen, vous connaissez la précise? C'est banane bouillie, ça c'est rapide. D'ailleurs, on ne dit pas trop apprécier le passage. Si ça a trop duré, c'est 15 minutes. C'est ça, ça lâche du mec qui prend faire une heure pour bien cuire. Donc, il réfléchit. Il dit bon. Il dit il n'est. Et puis, il dit bon. Lui-même, il viendra. Il dit hein? Il dit oui. Hein? Il dit viendra confesser ici. Ma parole, Dieu parle et toi tu vas parler. Stop. Si j'ai fini de prêcher l'évangile de Jésus, je te donnerai la parole. Amen. C'est pas à toi. Donc les gens écartent, les gens m'ont regardé. Bah oui, je suis en train de parler. Toi tu vas m'interrompre. Le chef est là, il me regarde. Ceux qui nous invitent dans le lieu me regardent. Et toi tu as venu interrompre une prédication en tant que qui. J'ai fini de prêcher. J'ai dit vous êtes qui? Il dit son nom. Tout le monde tremble parce que le nom terrorise. Le nom sera terroriste. Donc les gens commencent à avoir peur. Il a dit son nom. J'ai dit, mais vous voulez faire quoi? Il dit, monsieur. Il dit, non, monsieur, vous dites prophète. Quoi les êtes? D'abord, il dit, jeune homme. D'abord, il m'appelait jeune homme. Après, il dit, monsieur. Il dit, non, dites prophète. Il a des problèmes avec ce prophète. J'ai dit, peut-être que tu as le problème, moi. Il faut me dire, papa. Vas-y, je dis, ton père spirituel. Amen. 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 Vous voulez dire quoi? Il dit, je dis que vous avez gagné. Ma père, j'ai appelé ton âme une fois, deux fois. Je n'ai pas vu ton âme. Ma belle, je la Bible dit dans le livre des Psaumes, Dieu garde l'âme de ceux qui lui obéissent. Amen. Toi, tu vas voir mon âme. Je suis à vous dire. Je suis coulé de chair. Vous avez dit, mais toi, tu vas me dépêcher. Mets aubergine, suis-moi, tomate rouge, tout ça. Trois piments rouges, verts, suis-moi. Moi.
tu as gagné. J'ai dit avant, il a gagné. Maintenant, on a vu le Gaïa, il est en genoux. Tout le monde regarde. Qu'est-ce que tu as fait encore? Il dit, je suis allé appeler. Il y a des pêcheurs de crevettes, ici sont les Béninois. Ils font vaudou. On a acheté cabri noir. On a dit ton nom. Donc, normalement, aujourd'hui, là, tu ne devais pas vivre. Je suis ton ami qui vit tout ça. Ma la destinée, n'est-ce pas? Je vais vous expliquer la dernière fois que la destinée, c'était quoi? Hein? La destinée, c'était quoi? Ça dit qu'on part d'un autre point et qu'on va à un autre point. Et dans la destinée, il y a la destination, n'est-ce pas? C'est qu'on va quelque part, on veut qu'on s'apprête, voilà. Et donc, dans la destinée, il y a le destin, n'est-ce pas? Voilà, le destin, voilà. Donc, il peut y avoir des embûches, il peut y avoir des obstacles. C'est comme ça la vie. Et les obstacles ne veulent pas dire Dieu n'est pas avec toi. Les gens, quand ils rencontrent des obstacles, ah, Dieu les a entendus dans mon domaine. Bon, quand Joseph s'est retrouvé dans les difficultés, parce que Dieu l'a abandonné, mais ça faisait partie de son destin. Quand Dieu va vouloir te bénir, tu vas traverser les moments les plus difficiles. Et c'est les moments difficiles là qu'on appelle l'expérience. Et tu vas réfléchir à ça un jour dans ta vie. De toute façon, j'ai galéré. Donc, même s'il y a un senti, c'est important d'être dégagé. Vous comprenez? Amen. Vrai, si tu n'as pas commis la galère, c'est un franc, c'est pas, ça ne te dit rien. Amen. Même un senti promène dans la main, tu vois ça comme ordi, tu vois comme ordi, il faut mettre dans la bouche. C'est quelque chose qui est façon, tu vois ça comme façon. Mais le jour où tu vas avoir la galère, tu vas chercher les sentis dans ta maison. Tu vas les payer par un mal. Alors, quand tu vas vouloir te mener dans une richesse, il va te faire comprendre l'important de la gestion. Tout ce que Dieu a béni, Dieu les a mis dans les difficultés.
Or, les difficultés, les gens pensent que Dieu t'a abandonné. Et à ce moment-là, tout le monde, personne ne te regarde. Amen. Amen. Et on a l'impression que Dieu t'a laissé. Et c'est là que tout le monde parle. Oh non, oui, elle est venue. Frère, c'est à ce moment-là que Dieu permet que tu puisses davantage être devant sa présence. Parce que si tu es entouré des gens, tu vas te consoler. Mais quand personne ne te regarde, toi-même tu sais, on n'a même pas besoin de te dire, tu commences à gêner. Il y a des gens qui n'ont jamais fait, tu commences à faire. Souvent même tu dis, toi-même tu as fait 2 jours sans manger. Tu t'en rends compte, ah, ça fait 2 jours, je n'ai pas comment manger. C'est gêné. Il y a des problèmes même là. Tu réfléchis quand on dit il est 11h. Tu dis, mais je n'ai pas dormi, il est bien 11h. Toute la nuit, on doit réfléchir. Et je trouve la solution, tu dis pour toi. Toi, tu es convaincu que pour sortir de là, il faut la main de Dieu. Amen. C'est tout ce que Dieu veut. Et donc, quand tu prends conscience, ça t'engage dans la présence de Dieu. Amen. Parce que Dieu aime ça. Il t'éloigne des gens. Il t'éloigne de beaucoup de gens pour que tu puisses être dans sa présence. Amen. C'est ça le destin. Parce qu'il veut aller avec toi, il veut arriver dans une destinée glorieuse. C'est-à-dire, il veut bénir ta vie. Il veut te faire rentrer dans la richesse. Donc il va te faire connaître la galère. Amen. Il va te faire connaître l'humiliation. Amen. Pour rentrer dans la gloire. C'est pour ça que Jésus a été humilié. Il n'y a pas plus d'humiliation que Jésus a connu plus que l'autre. Excusez-moi, Jésus, on l'a vu qui à la croix. Excusez-moi, c'est mon grand-mère. Pour bien vous expliquer, nu, sans caleçon. Ce qu'on voit dans la tête, c'est la délire. Lion, ni Jésus a connu à la croix. Il a été nu, nu. Quel injure n'a pas connu? Quelle maltraitance n'a pas connu? Mais tout ça, c'était pour moi. Pour la cheminée vers la gloire. Amen. Ça faisait partie. C'est pour ça que ceux qui voulaient intervenir, ils ont dit non, n'intervenez pas. C'est parce que mon Dieu l'a permis. Mais après tout ça, il y a eu la gloire. C'est pour ça que, frère, la situation dans laquelle tu te trouves, je te dis une seule chose. Ne pense pas que Dieu t'a rejeté. Non. Dieu est avec toi parce qu'il veut te libérer. Amen. Dis à quelqu'un, Dieu veut te libérer. Dieu a quelqu'un, Dieu veut t'aider. Dieu veut t'aider. Dieu a quelqu'un, Dieu veut t'aider. Dieu veut t'aider. On dit amen. Amen. Alors, dans ce chemin de la destinée, il faut enseigner ça. C'est-à-dire, il faut savoir avec qui tu marches. C'est très important. Parce que ton ennemi, celui qui va te mettre dans les problèmes, sera l'ami, celui qui a marché avec toi. Ton ennemi ne viendra pas d'ailleurs. C'est pour ça que vous ne vous étonnez pas que Judas ait trompé Jésus, ait trahi Jésus. Tout le monde cherchait à le tuer. Mais c'est Judas qui était mieux placé. Parce qu'il le connaissait. C'est pour ça que dans le chemin de la destinée, il faut savoir avec qui tu marches. Malheureusement, nous, on amène tout le monde avec nous dans notre destinée. Nous, il fait pitié. Les sentiments n'ont rien à voir avec l'amour. Amen, papa. Ton fils, ton bébé, maman, il prend le couteau, il pleure, tu l'arraches. Toi-même, tu es convaincu que si tu donnes le couteau à l'enfant, là, c'est blessé. Par amour, tu l'arraches. Tu t'en fous, les sentiments ne jouent plus. Tu sais que l'enfant est en danger. Frère, ne regardez pas vos sentiments. Il y a souvent les gens, ce sont comme des diables déguisés. Ils sont prêts, je présente une caricature, c'est leur visage. Vous regardez, lui là, non, il fait pitié. C'est lui qui va te montrer qui a mis sur ton berger. Le berger est sucré, il va te montrer. C'est pas tout le monde qu'on envoie dans sa destinée. Nous allons la parole de Dieu. Allons dans la parole de Dieu. Écoutons la parole de Dieu. Nous allons dans Genèse, rapidement. Le livre de Genèse. Nous allons aller rapidement, s'il vous plaît. Est-ce qu'on m'écoute un peu? On peut acclamer Jésus. Alléluia. Genèse chapitre 13, à partir du verset 5. Écoutez très bien. Dieu parle à Abraham. Vous savez, Dieu a élevé Abraham dans une maison des féticheurs. Le papa d'Abraham était féticheur. Pour ceux qui ne savent pas, il était en Mésopotamie, il était féticheur. Tout ça, Dieu l'a fait sortir de cette maison. Amen. Et quand Dieu l'a fait sortir de cette maison, Dieu lui donne des instructions.
Vous savez, quand Dieu te bénit par rapport à une destinée, il te donne une orientation. Il faut la suivre. Par moments, on aime se faire accompagner par tout le monde. Tu as rendez-vous avec ton fiancé. Et c'est toi qui dis, mais avant le gars là, il m'a invité aujourd'hui au restaurant. C'est lui, c'est elle, elle va tout faire pour te détourner. Et puis le gars là, il va prendre l'autre. On t'a invité à une rencontre, je t'aime. Je t'aime, elle t'envoie à quoi là-bas. Elle a quoi avoir dedans? Une rencontre d'une destinée. Habille-toi bien même ton parfait. Va vous rencontrer vous deux. Ça reste entre vous deux. Pourquoi tu viens te faire accompagner? Il y a des gens qui ont perdu comme ça parce qu'ils se sont fait accompagner. Souvent le monsieur, il est vraiment dépassé parce qu'il a l'argent d'un sur ses bouches. Et tu envoies à quoi, il n'a pas mangé avec 5 jours. On ne se mélange pas n'importe qui dans la destinée. Ce n'est pas tout le monde qu'on se fait accompagner. Est-ce qu'on a bien saisi? Amen. On y va. Genèse chapitre 13, à partir du verset 5. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble, car leur bien était si considérable qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut une querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phéréziens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers. Car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que les ténèbres aient détruit Sodome et Gomorrhe. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Hein? Vous continuez après la lecture pour avoir plus de temps. Vous voyez, Abraham, Dieu sort de sa patrie, il sort de sa maison, il part avec sa femme Saraï. Alors il s'est fait suivi par son frère, son neveu. Il s'est fait suivi par lui. Or, le monsieur, ils avaient les mêmes brebis en santé, les mêmes quantités, c'est ça? Oui. Nombre de plus de noms, de bêtes et tout ça. Arrivé là-bas, il y a eu un problème. Alors, il fallait que les deux se séparent. Il y a des gens qui ne peuvent plus vivre avec eux parce qu'à un moment donné, votre vie ne peut plus continuer ensemble. Alors Dieu est obligé de dire, parle au cœur d'Abraham pour dire, sépare-toi de l'homme. Mais regardez, quand vous voyez la vie de l'homme, où l'homme allait loger? Il allait loger à Sodome. Vous comprenez déjà ce qui était en lui. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen. Alors pour bien comprendre encore la chose, nous allons aller dans la parole de Dieu, dans le livre du roi. Vous allez bien comprendre que ce n'est pas tout le monde qu'on vient faire loger dans nos maisons. Il y a des gens que vous avez hébergés qui sont des nouveaux ennemis aujourd'hui. Amen. Un roi, le chapitre 3. On va l'appeler prostitué. Un roi, le chapitre 3. Oui, le mariage de Laissez-moi. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Laissez-moi. Le verset 17, 1 roi 3. Le verset 17. Verset 17. L'une des femmes dit, pardon mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison. Et j'ai accouché près d'elle. Le verset 16. Alors deux femmes prostituées. Le verset 16. Alors deux femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison. Et j'ai accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme a aussi accouché. Nous étions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous. Aucun étranger n'était avec
Ça veut dire que la femme est trop gentille. Pour quel étranger? Le fils de cette femme est mort pendant la nuit, pendant qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'était levée au milieu de la nuit, elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait et elle l'a couché dans son sein. Dans ce passage, il s'agissait de deux prostituées. Est-ce que je suis? Dis à quelqu'un, deux prostituées. Vous connaissez le travail des prostituées? Je n'ai encore demandé, j'appelle Gandou, excusez-moi. J'appelle Gandou. C'est-à-dire, elle ne vit que ça. C'est-à-dire, c'est elle ne vit, elle se vante pour avoir de l'argent. On dit deux prostituées. Donc, ça veut dire, parmi les deux prostituées, il y avait une. Il y avait une, on suit ici. Il y avait une qui était. Il y avait une maison. Alors, l'autre traînait dans la rue. Donc, elle a décidé d'héberger. Amen, est-ce qu'on me suit ici? Amen. Elle a décidé d'héberger sa camarade. Vous comprenez? Oui. Dis à quelqu'un, elle a décidé d'héberger sa camarade. Elle a décidé d'héberger sa camarade. C'est là son problème, va. On fait le même travail. Ça dit qu'on parle, on est intime, jusqu'à il a dit que ton problème est devenu mon problème. Ton problème est devenu mon problème. Mais je ne connais pas ton cœur. Sinon, je t'aime. Mais toi, dans ton cœur, il y a la méchanceté. Mais le fait que ton problème est devenu mon problème. J'ai eu pitié. C'est là, je ne connais pas les parents. Donc, il envoie, elle envoie sa camarade pour dire viens dormir. Ce que je mange, c'est que nous allons partager ensemble le repas. Amenez le derrière, comme ça, c'est bon. Suivez. Amen. Est-ce qu'on le suit? Est-ce qu'on le suit bien? Amen. Est-ce qu'on le suit? Amen. Donc c'est pour bon manger, on va manger. Je me battrai pour t'aider. Parce que franchement, parce que je te vois là, tu fais pitié. Or, ce qui attend à cette femme était très dangereux. Amen. Donc, le problème de cette dame, elle est en amour. Elle aime tellement sa camarade qu'elle a vu sa camarade pleurer dans la rue. Je n'ai pas un toit, ils m'ont chassé, je ne sais plus dormir. Elle dit, viens, je vais t'héberger. Oh, tu fais pitié. Oh, les deux gens, vous connaissez ce qu'elles font. Mais le même travail pour te donner une maison. Mais elle a dit non, ça ne fait rien. Viens ici chez moi et puis économise. Quand tu vas avoir ton argent, tu vas aller prendre ta maison. On dit les deux sont tombés enceintes. Il n'y avait pas préservatif avant. J'en dis, on ne connaît pas papa de bébé. Bébé des mamans, on ne connaît pas qui est son. Votre père. Ils sont tombés ensemble. Miraculeusement, les deux tombent ensemble dans le même mois. Le temps d'accoucher, l'autre accouche avant l'autre. Et les deux ont couché dans le même mois. Bizarrement, les deux n'ont pas laissé leur ancienne vie. Vous connaissez Djandou, les prostituées, elles aiment boire. Si ce n'est pas poisson, c'est guéguis. C'est très une grande cigarette. Vous comprenez? Donc, tous les jours, ils sont des dames. Amen. Ok. Donc, vous connaissez drogue, tout ça. Donc, la nuit, les deux vont dormir. Elles ont dormi. Il y a eu bébé, chaque bébé est près de sa maman. Et toi, tu dors. Et l'enfant meurt d'étouffement. Ah! Si ce n'est pas Koutoukou, si ce n'est pas l'alcool, si ce n'est pas la drogue qui peut mettre une femme dans ce genre d'état, un nouveau-né, vous connaissez le cri d'un nouveau-né, le papa me dit fâché. Nos enfants, quand ils naissent, c'est eux-mêmes, c'est le problème d'avoir ta maison. Tu ne peux pas dormir. Les et si c'est un zadi, je suis mort. C'est un enfant zadi. Un vieux petit bébé qui vient de t'emmerder, tu es mort.
là, imaginez-vous, jusqu'à ce que l'enfant meurt, les cris de l'enfant, ni sa voisine de chambre n'a entendu les cris, ni lui, ni elle, ni la voisine. Ça veut dire qu'elle était vraiment morte même dans l'alcool. Elle était arrivée. Mais la une qui s'est réveillée, qui était, s'est sortie dans sa tête, elle regarde, sa fille, son enfant est mort. C'est là sa pré-identité, ce qui en est là-bas sorti. C'est quand vous êtes dans les problèmes, quand il y a problème, c'est là que vous allez voir la vraie identité de ceux qui vous aiment. Amen. Ou de ceux qui sont autour de vous. C'est dans les problèmes qu'on voit le vrai visage de ceux qui vous entourent. Voici un problème. Ma femme, ma petite soeur, c'est ton problème. Mais pourquoi tu veux me donner le problème? Pourquoi? Tu as couché sur ton enfant est mort. Dis-moi, ensemble, on va pleurer. On va l'enterrer. Tu es Djangu, Jésus Djangu. Tu es Djangu, quelqu'un. Il va t'enseigner encore. Mais pourquoi tu déplaces le problème? Il y a les gens qui sont avec vous souvent. Vous les aimez. Mais elles ont une autre manière de vous voir. Au nom de Jésus, vérité, par exemple. Vous êtes dans la même maison. Et vous en vit. Oui. Pour rien. Pour rien. Pourtant, tu l'as hébergé. Pourtant, tu es en train de l'aider. Et c'est lui, dans son cœur, comment il va te faire pour te détruire? Ce n'est pas tous les amitiés qu'il faut accepter. Amen. Où c'est là? Et puis toi, mais pourquoi tu poses toutes les questions? Il y a des gens, toujours, tous leurs problèmes. Ils mangent où? Ils font quoi? Mais pourquoi? Tu es FBI ouvert. Quand quelqu'un vous pose toutes les questions, comment ça va peur de cette personne? Amen. C'est ce qu'on appelle le service de l'enseignement. Les grands pays, eux, ils marchent avec le Seigneur, ils savent des choses. Celui qui veut tout savoir sur toi, c'est ton ennemi. Elle est convaincue que sa camarade dort debout. Dans les chambres, elle connaît sa camarade. Renfermement de sa camarade reste à dire, je conseille gaz. Fais gaz. Elle est convaincue que cherchant l'enfant, sa camarade va continuer dans elle. Elle a embrassé. C'est ceux qui vous connaissent le mieux qui vous disent. Amen. Vous les envoyez dans votre destinée par pitié. C'est dans cette par pitié-là qu'on vous détruit. C'est le jour où vous allez avoir problème. Vous allez les voir avec vos ennemis. Ils vont se mettre du côté de vos ennemis. C'est là que vous allez comprendre qu'ils ne vous ont jamais aimé. Parce que celui qui t'a aimé une fois, quand tu seras dans les problèmes, il va t'aider dans la prière. Amen. Quand tu seras dans les problèmes, il priera pour toi. Il ne la fera pas. Parce que l'amour n'abandonne pas. La preuve, c'est que Jésus lui-même, pendant qu'on attend de le crucifier à la croix, lui qu'on a offensé, il demande pardon. C'est le jour où tu seras dans le problème. Celui qui sera avec toi, c'est lui-là qui devrait amen. Celui qui va te faire sortir du problème, t'aider à sortir du problème. Lui-là, tu ne peux pas l'oublier. Il t'aime. Amen. Parce qu'il a monté, il t'a démontré à plus près. Amen. Et ce n'est pas par intérêt. Il y a des gens que leur amitié, ce n'est pas intérêt. Ils sont avec toi par intérêt. C'est pour ça qu'avant que quelqu'un ne marche avec toi, avant que quelqu'un ne vienne chez toi, il faut être convaincu que lui, là, tu le maîtrises. Quelqu'un qui doit venir manger chez toi, quelqu'un qui doit venir vivre chez toi, il faut être convaincu que lui, là, tu le maîtrises à point que tu es convaincu qu'il ne va jamais te traiter. Amen. Sinon, vos relations, mettez ça toujours au bénéfice de vous. Doutez toujours des gens. Ça va beaucoup vous aider. Ça va beaucoup vous aider. Je n'ai pas de mal aux gens. Non, parce que l'homme est hypocrite. Son visage devient bien quand il a besoin de vous.
La dame l'envoie dans sa destinée. Elle l'envoie chez elle. Mais quand elle a eu des problèmes, elle a laissé son problème. Regardez, elle dit plus ma camarade. Elle dit la femme. Cette femme. Le nom a changé. C'est-à-dire de vous que, ah, celle que je pensais que j'étais camarade, elle dit plus ma camarade. Elle dit plus mon ami. Non, elle dit cette femme. Elle réalise qu'elle a vaincu une personne qu'elle ne connaissait pas. Nous vivons souvent des personnes que nous ne maîtrisons pas. Elle dit que Dieu nous aide. Amen. Nous nous battons pour eux. Mais leur merci, ça doit t'adresser. Tu réfléchis quand tu dis, c'est-à-dire tu ne dors même pas. Tu te demandes, mais il fait quelle heure? Là, maman, il est 11h. Bien, il est 11h. Vos ennemis, vos amis d'aujourd'hui, si vous ne faites pas attention, ce sont ceux qui sont vos ennemis. Regardez très bien. Tu as eu ton problème. La femme, elle est prête. Elle a même convaincu que c'est ta fille. C'est ton enfant. Tu dis non. Tu veux lui donner le problème. Il y a les gens qui veulent tout, c'est de vous donner le problème. Celui qui ne pense, n'a jamais pensé un instant. Il a vécu peut-être avec moi. Il y a eu des relations d'amitié. Qui n'a jamais pensé un instant qu'un jour dans sa vie, tu l'as une fois aidé. Et qu'il dit qu'il s'en fout. Ou bien elle dit qu'elle s'en fout de ça. Ça veut dire que cette personne, c'est un élément du diable. Parce que c'est le diable qui a la conscience morte. Faites très attention à votre entourage. Amen. Faites attention à ce que vous fréquentez. Amen. Vous pouvez rendre service. Vous ne savez pas qu'il faut les mettre dans votre intimité. Chez les blancs, c'est qui me plaît chez eux. Je suis ton cousin. Cousin, ça va. Tu n'iras pas chez moi. C'est fini. Où est-ce la porte? Ah, si je te passe à le village, va dire. C'est le village qui te nourrit. C'est le village qui fait ta maison. Pourquoi dans notre destinée, on pense que c'est les gens? Pourquoi on cherche le regard des gens? On ne cherche pas la faveur des gens. Pourquoi on cherche le regard des gens? Ça nous met en retard, frère. Après qu'on oublie les enfants, et dans la chambre des enfants, on a même la chambre, on a des enfants, quand on ouvre un monsieur, qui va dire, nous faire des promesses. Faut saisir ton environnement. Qui est celui qui te fréquente? Quel est celui à qui tu parles? Qui veut tout savoir sur toi? Tout ça c'est important. Frère, dans la destinée, on est seul face à nos destins. Ce n'est pas tout le monde qui nous soutient dans la destinée. Sauf là que dans l'ancienne, Dieu, pour bénir Israël, il y a deux personnes dans l'ancienne génération, Jésus et Caleb, qui sont rentrés à Canaan. Pour rentrer dans la destinée, frère, n'amène pas n'importe qui dans ta destinée. N'amène pas n'importe qui dans votre destinée. Parce que celui que tu prends aujourd'hui, que tu ne maîtrises pas, tu es ton ennemi demain. Amen. Amen. Ah, c'est mon frère. C'est Caïn que tu as avec. Pas jalousie. Je ne demande pas de ne pas rendre service. C'est pas ce que je dis. Je ne vais pas demander de ne pas rendre visite aux gens. Je dis de faire attention. Le même Dieu qui dit de manifester l'amour, le même Dieu qui dit d'être. La dame, elle est berger sa camarade. Mais la réponse à sa camarade, c'est de vous donner. Quel est le problème? Et ce qui a rendu la dame, si ça restait entre les deux, si ça restait entre les deux, vous connaissez Bouche de Jambou. Si ça restait entre les deux, c'est fini. L'autre allait gagner. Tu vois un prostitué. Tu connais sa bouche. Quelle demande tu as gagné? Tu ne peux pas te gagner, tu ne peux pas moins, tu ne peux pas devant un proche, devant la police, elle va te gagner sa femme. Elles sont très rapides, elles te mettent en pleurs. Elle a répété, non, si ça reste dans le monde, elle va gagner. Allons voir le roi. Dis amen. Sauf que tout ce que les gens t'ont fait, tout ce qu'ils sont en train de faire, monte avec ça à Jérusalem. Jérusalem, c'est la prison de Dieu. Monte avec ça. Problème. Avec ça là, bouge! Dis à quelqu'un, bouge! Bouge!
dans le show, dans ce qu'on appelle dans Esaïe 70, lève-toi, lève-toi. Tu es en train de pleurer parce que telle personne a trahi, tu es en train de pleurer parce qu'il y a eu des problèmes, tu es en train de pleurer parce que tant, frère, ce n'est plus l'heure à pleurer. La chose, tu es en train d'une réalité, c'est vrai. Ouvre tes yeux maintenant, tu vis ce qui est vrai, mais bouge. Amène ça vers à Jérusalem, que la présence de Dieu. Et le roi, c'était pas ce que Salomon, sur le trône de David, et Jésus-Christ, le fils de David. Alors il s'agit maintenant de Jésus. Présente ton problème à Jésus. Alléluia. Parce que ça reste entre vous, ils vont gagner. Parce que la famille ne peut rien comme ça. La famille voit la soupe, la famille ne peut même pas régler le problème. Elle voit que le problème change, c'est même pas dans le niveau. Elle ne peut pas. Parce que la bouche de ceux qui vous trahissent ment pour vous. Le mensonge est que on croit plus en Dieu que vous. La seule chose que tu vas faire, c'est d'envoyer la chose à Jérusalem, dans la présence de Dieu. Il n'y a pas de grand avion d'aller dans la présence de Dieu. Et de parler au roi des rois que j'y suis. Amen. Parle au roi des rois. Ta trahison, ta déception aujourd'hui. Les gens savent qu'on est déçu. Les gens savent qu'on fait des choses qui n'ont pas pu. C'est vrai. Mais monte. Et présente la chose à Dieu. Et tu verras que le Seigneur te donnera une solution. Amen. Je peux acclamer le Seigneur. Faites attention à ce que vous dites dans votre esprit. Maman, tu me poses trop de questions, je réfléchis, tu es bien. Tu es bien. Je n'ai pas ma exemple là, mais je ne peux pas me donner un exemple. Tu fais quoi? Pourquoi tu demandes la question? Faites attention. Ce qui touche, la plupart des gens qui cherchent à vous nuire, ils vont chercher toujours à avoir des informations sur vous. Amen. Ils vont venir façon. Toutou. Ton collègue de service. Depuis que tu n'invites pas, invitation à être français. Ne connais pas chez toi. Ne pas chez toi. Toi, même que tu viens, tu es isolé, tu ne parles pas, quelqu'un, c'est bon. Tiens, quelqu'un, c'est bon. C'est bon. Depuis quand quelqu'un se dit, il ne reçoit pas. Sinon, on est trop famille, sinon, on a des problèmes. Depuis là, toi, mais quand tu es vite, même, toi, même là. Et dans l'invitation, il y a causerie. Et causerie, là, quand tu fais quoi, qui est ton copain? C'est là, elle veut tout savoir sur toi. Or, quand tu es mystifié, ton cœur, je vous encourage. Et ne donnez pas tout l'ouverture aux gens de savoir tout chez vous. Mystifiez-vous. Amen. Amen. Moi-même, je suis à Paris, dans tel arrondissement. Mes enfants, dans le village, je vais faire funérailles. C'est là que tu vas dire tout à Zaz. Il sera dans ses oreilles. Il va te manger un sorcier. Très jeune. Sauce longueur. Un champion noir. Un logo soupé. Ça, vous voyez. Un champion. Tu es venu faire ton funérail. Tu vas dire ce que tu fais à Paris. Et ces adis, tu vas venir prendre photo. Ton appareil, quoi là. Tu vas mettre dans cette photo. Brrr. La nuit, il va aller prendre ton âme pour te manger. Frère, il faut être discret. Tu veux faire quelque chose, fais ça. Le reste, ça ne t'intéresse pas. Nous, on aime trop parler. On aime trop association. Et c'est ça, c'est ce qui fait comme on le dit. Il faut savoir avec qui tu marches. Même à l'église. Parce que Judas était parmi les disciples. Le vrai, vrai diable, c'est ma église. Venez me voir, vous venez porter l'histoire comme l'histoire. J'ai trop de témoignages de ça. Faites attention. Toi, tu crois en quoi tu es gentil, mais celui qui est là, tu ne sais pas pourquoi il est venu. Il y a des gens qui ont leur amitié, c'est des missions. Que Dieu nous aide, n'est-ce pas, Père Jésus? Amen.
Mato!
Je viens toujours. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus?